Saludo, dile un saludo, d'apporter allégria à Paris. C'est quelque chose dont nous avons besoin. Et nous écouterons vous et le ministre, les ministres, avec beaucoup d'intérêt, car vous voyez par la qualité, le nombre de personnes qui sont dans cette salle, qu'il y a beaucoup d'intérêt à investir et à faire du commerce avec votre pays. La deuxième, c'est que si la personne qui a préparé mon discours voulait me l'apporter, pas mal. Je ne sais pas comment on dit taquin en espagnol, monsieur. Taquin. Mais un peu taquin. Monsieur le Président, merci de donner du temps. Vous êtes un homme très énergique et très organisé, mais je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement serré. Aujourd'hui et demain, vous verrez tout à l'heure le Président Hollande, ensuite le Président Barcelone à l'Assemblée nationale. Vous verrez toutes les plus hautes autorités de l'État, ce qui vous montre bien l'intérêt qu'au sommet de l'État français nous porte à la relation franco-péruvienne qui n'est pas ce qu'elle devrait être en matière de commerce et d'investissement. Mais on est là pour en parler. J'ai moins de regrets à ne pas parler espagnol parce que je sais que vous parlez français. Vous avez étudié à l'Institut des hautes études à l'Argentine, à la Sorbonne Nouvelle, et travaillé comme attaché militaire, car vous êtes un militaire, au sein de l'ambassade du Pérou à Paris. Et vous êtes un homme énergique sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Je sais que vous avez fait votre jogging hier à la descente de l'avion. Vous êtes en train déjà en train de courir. J'admire beaucoup cette énergie. Vous revenez maintenant en France alors que vous assumez les plus hautes responsabilités dans l'État péruvien. Et encore une fois, merci d'être avec nous. Au cours des 20 dernières années, MEDEF International a pu accueillir les principaux chefs d'État et ministres péruviens qui se sont rendus en France afin de réunir autour d'eux les chefs d'entreprise français s'intéressant au projet du Pérou et désireux de développer des liens avec d'autres pays. Lors de notre dernière délégation au Pérou, et j'ai le plaisir de saluer mon ami le préfet Paul Bernard qui a conduit de nombreuses délégations
du MEDEF dans votre pays. Et nous avons également pu signer un lien avec la CONFIEP de l'époque, avec M. Jaime Cáceres, et un accord posant les bases d'une coopération plus étroite entre les communautés d'affaires de nos deux pays. C'est notamment dans ce cadre que MEDEF International a pris une part active dans la mobilisation des entreprises françaises au sommet d'affaires Union européenne, Amérique latine et Caraïbes, organisé en 2008 à Lima. Une quinzaine d'entreprises françaises étaient présentes et nous avons eu l'intervention de mon ami Jacques Despons de BNP Paribas, à l'époque directeur délégué de BNP Paribas et président de notre conseil de chefs d'entreprise de France Chine. Présentée comme une étoile naissante en formant partie de la nouvelle vague des marchés émergents leaders par la directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, le Pérou se distingue par sa situation macroéconomique solide. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le ministre, de Fortaleza, statut investment grade, 30% du PIB de réserve de change, excédent budgétaire, dette publique inférieure à 22% du PIB. La dynamique économique exceptionnelle, 7% de croissance en moyenne depuis 2004, 7% de croissance en moyenne, et des prévisions de 6,9% en 2012 se basent sur des piliers solides, expansion du secteur primaire, minier et agroalimentaire, portée par la hausse des prix internationaux, ouverture commerciale grandissante avec le lancement de l'Alliance Pacifique en lien avec le Mexique, la Colombie et le Chili, taux moyen de droits de douane inférieur à 3% et des accords de libre-échange extérieur. Un cadre juridique et fiscal incitatif qui vise à encourager les investissements et qui a permis un développement des stocks d'IDE en 15 ans. Que vous souhaitez rendre durable pour ce pays, que ce soit au travers d'une meilleure inclusion sociale et environnementale, avec notamment pour objectif de bénéficier des retombées de la croissance exceptionnelle de l'économie, mais également par le biais d'efforts en matière d'amélioration continue de la stabilité et de la prévisibilité de l'environnement des accords modestes, comme je le disais tout à l'heure. La position française est nettement insuffisante par rapport à celle de nos prochaines années. La prochaine entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Pérou et l'Union européenne, signé en 2012, il y a quelques mois, en juin 2012, dont une prise française se veut être le partenaire durable du Pérou. Dispose d'une expérience et d'une expertise, je vous en parlais tout à l'heure, une expertise aussi bien en matière d'infrastructure, d'agro-industrie. Et les projets ne manquent pas et ne se limitent pas à la seule capitale. Je sais que le ministre de l'économie et des finances, ici présent, parlait. Parmi les principaux secteurs porteurs, donc je reviens là-dessus, transport ferroviaire, énergie, mine, agroalimentaire, aéronautique, infrastructure touristique, entre autant de secteurs qu'un grand nombre d'entreprises réunissent ce matin pour de façon efficace. Je pense également à l'ambitieux programme de 20 milliards de dollars de projets attribués d'ici 2013, concessions clés en main au Pérou. Sachez enfin que MEDEF International envisage de se rendre au Pérou avec une délégation d'entreprises françaises au cours de l'année 2013, un projet pour lequel nous espérons compter. J'en termine avec cette énumération. D'autres, et pour vous donner le programme, la première partie, intervention du président, suivie d'un échange Q&A, comme on dit en français, et puis ensuite le président. La deuxième partie. Merci encore de votre présence et je vous cède la parole, monsieur le président.